Tu peux. Allez, on s'habille, allez, on y va, on a une cover à faire là. Allez, tout le monde dehors. Elle aime quand même. On est à Paris, on est le 24 septembre 2022 et on shoot la cover de mon album, Iota, qui sortira, si Dieu le veut, le 11 novembre 2022. Ça c'est trois volets. Ouais, je sais pas si vous arrivez. Voilà, non, ouais, la ligne est là. Le dos. Donc le dos, t'as pas besoin d'image là, ce serait ça. Non, en fait, je te montre un exemple. Ok. On en discute ensemble du coup. Donc, on s'est dit que ça, c'était acheté en pour un médecin. Donc ça, toi seul, en fait, debout. D'ailleurs, on a des petits cadeaux, c'est pour toi. En fait, il y a pas mal de marques qui ont fait des cadeaux. C'est pas nous qui avons orchestré, c'est eux qui ont voulu. Hein. Wow, crazy. Non, take the... La cover, c'est moi qui tiens un iota, le reste de tout ce que j'ai défini comme l'amour de ma vie. Moi, cette pose, elle est incroyable, tu vois. C'est ça aussi le truc, tu vois. Après, on peut faire deux images aussi, hein. C'est une vague, en fait. C'est de l'eau. Parce que j'aime bien la notion de l'eau quand on parle d'amour, parce que l'eau peut prendre plusieurs formes. L'eau peut être glacée, peut être sous forme de neige, peut être sous forme de torrent, d'ouragan. Comme elle peut être paisible, comme elle peut être calme, comme elle peut être enchantée, comme elle peut être sous le clair de lune, ou un lever de soleil, ou un coucher de soleil. L'eau prend tellement, tellement de formes, tout comme l'amour. Je la mettrais bien pour foncer. Celle-là, on peut la désétoiler. La 205. Pour le moment, toi, c'est à priori, c'est laquelle que tu préfères? Bah, les quatre. Les quatre. Celles qui sont là. Il n'y en a pas une que tu préfères. Je me suis inspirée de Berserk, de la scène de l'éclipse. Dans la scène de l'éclipse, avant que l'éclipse se passe, Guts, c'est un Griffith. En fait, c'est le protagoniste et l'antagoniste du manga, se tiennent dans les bras. Ou plutôt, Guts tient Griffith. Je me suis inspirée vraiment de cette scène-là pour mon album parce qu'elle représentait vraiment l'amour. Et si on connaît le manga et on connaît l'histoire, c'est un moment très 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 fort du manga.